Hello à tous, on se retrouve dans cette vidéo intitulée « Le travail en légèreté ». Je vais définir cela tout de suite. Il s'agit en fait de travailler en utilisant le moins d'aides possibles, donc que ce soit des aides artificielles ou des aides naturelles, pour obtenir des résultats plus fluides avec du confort pour le cavalier et le cheval, et donc avoir moins de gestes brusques. On a tous appris en club que pour avancer, il faut donner des coups de talon, et pour s'arrêter, il faut tirer sur les rênes. Or, je ne procède pas du tout comme ça. Je vais vous expliquer. Je procède par phases. Les premières phases sont les plus confortables et les dernières un peu moins. Ce qui va nous permettre de faire comprendre au cheval que c'est dans les premières phases qu'il doit exercer l'exercice ou la demande et pas dans les dernières. Prenons un exemple sur l'arrêt. En club, on utilise bien souvent directement les dernières phases, ce qui peut à force habituer le cheval à une main dure entre guillemets et au fil du temps, il ne répondra plus très bien aux demandes. Voici les différentes phases que j'utilise. Donc, j'ai ma voix, mon assiette et mon dos, et mes mains. Hola. Même chose pour avancer au pas. J'utilise bien avant mes talons, ma voix, mes mains, mon bassin, et ensuite mes mollets, voire mes talons. Bien sûr qu'au début, votre cheval ne répondra pas directement aux premières phases. Cela peut prendre du temps, donc à nous cavaliers de faire attention à bien respecter les phases. Et c'est la même chose pour tout exercice, que ce soit à pied comme à cheval. Marcher. Trotter. Ouais. Ok. Oh. C'est bien ça.